C'est une demi-surprise. On savait depuis longtemps qu'Alain Juppé ne serait pas candidat à la présidence de l'UMP, mais qu'en revanche, il réfléchissait à l'idée d'une candidature à la présidentielle. Et c'est donc cela qu'il vient d'officialiser ce matin en disant qu'il était candidat à la prochaine primaire de l'UMP. C'est surtout le timing qui est très intéressant de noter. Alain Juppé réussit en quelque sorte à dribbler deux présidents, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Depuis des semaines, tout le monde politique maintenant bruisse du débat, de rumeurs sur le retour de Nicolas Sarkozy en politique, comment il va revenir, où il va revenir, etc. Donc Alain Juppé le prend de vitesse et d'autre part aussi Alain Juppé réussit à dribbler, à éclipser la rentrée politique de François Hollande dont c'était aujourd'hui le premier conseil des ministres et qui choisit de revenir avec une interview au Monde pour expliquer un petit peu la manière dont il veut accélérer les réformes et donc Alain Juppé réussit à la fois donc à prendre de vitesse l'ancien et l'actuel président de la République. C'est une option sur le timing, une façon de dire qu'il faudra compter avec lui et qu'il sera le challenger à droite, très certainement, de Nicolas Sarkozy.